Eftor, que ces paroles de Torah soient l'élu Nishmat, Arlet Baya Bat Rachel, on était dans le Hallel, mais on va faire un petit arrêt cette semaine pour parler de Megillat Esther. La Gemara, elle dit, pourquoi on ne dit pas Hallel pendant plusieurs réponses? Une des réponses que la Gemara a dit, Kriyata Zuhalela. La lecture de la Megillah, c'est un Hallel. C'est un remerciement à Kadosh Baruch Hu, le fait qu'on raconte l'histoire de Purim. Comment elle s'est passée, c'est des louanges pour Akadosh Baruch Hu. Kriyataz ou Alela. Le Khatam Sofer, il pose une question intéressante. Il dit, qu'est-ce qu'on fera à l'époque, c'est écrit dans la Mishnah qu'on avait le droit, la possibilité de lire la Megillah le 11, le 12, le 13, le 14 et le 15. Et la Mishnah dans Maseret Megillah, elle mentionne comment est-ce possible que nous allons lire la Megillah le 11, alors il y a des exemples, quand on était Magdimim, Liyom Knissa, qu'on faisait, tous les hommes des villages venaient pour vendre leurs marchandises. Donc, on avançait un peu avant. Alors le Khatam Sofer dit, dans un cas qu'on a avancé, alors pour Purim, il faudrait faire la Megillah. Il faudrait faire le Hallel. La réponse, c'est non. Pourquoi? Parce que Chachamim, ils n'ont pas instauré le Hallel. Mais en tous les cas, la Gemara nous dit que la lecture de la Megillah, c'est un Hallel. C'est un Hallel. Tu fais un Hallel à Kadosh Baruch Hu. Ce qui est magnifique dans cette histoire de Megillat Esther, il y a beaucoup, beaucoup de choses, énormément de commentaires qui ont été écrits sur la Megillah. Parce que vous saviez que l'auteur du Lecha Dodi, Rabbi Shlomo Alkabat, il a écrit un livre sur Megillat Esther quand il s'est fiancé avec sa femme. Et il y avait un moment entre le fiançailles et le mariage. Comme Mishlo Achman, dont il a appelé Rabbi Shlomo a levé le kabbatz. Et il parle au début, est-ce qu'on peut s'acquitter des divrei Torah pour Mishloach Manot? Les gens à l'époque étaient tellement, ils aimaient la Torah qu'ils étaient rassasiés quand ils étudiaient la Torah. Il y a beaucoup de commentaires. Et chaque commentaire, il essaye de développer un regard sur la Megillat Esther, la dimension du Nes, la partie que le Nes il a. Aujourd'hui, on sait que il y a un minhag aujourd'hui, quand on achète des Megillat Esther, il y a un minhag vous allez voir souvent quand les vendeurs ils vendent Megillat Esther, ils vous disent Megillat Esther Amelech. C'est quoi Amelech? C'est que depuis la deuxième page de la Megillah jusqu'à la fin de la Megillah, toutes les pages, elles commencent avec le mot Ameler. 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 Sauf la première page, Vayehi, du Meharajorj. Toutes les autres, Ameler, Ameler, Ameler. Ça, c'est un Hidour, d'avoir une Megillah Tester, qui commence par Ameler. Toute la Megillah. Nos sages nous disent, dans le Midrash, que tout endroit dans la Megillah où on dit Hameler, c'est pas non, par rapport au Ham Israël. En réalité, toute la Megillah Tister, c'est un assemblement de petites anecdotes, d'histoires,
qu'on ne comprend pas au début, mais quel rapport cette histoire? Qu'est-ce qu'elle veut nous dire cette histoire? La Megillah qui nous parle du carrelage et du décor du jardin de Ahasvéros pendant le festin qu'il a fait pour fêter sa royauté après 3 ans. Les ustensiles qu'il y avait pendant le festin. L'histoire de Vashti. L'histoire de Vashti. Qu'il cherche des femmes, il a pris Esther. La Megillah, elle prend comme une histoire, quand on lit, une belle histoire perse, qui nous amène là, on pense qu'on est en train de voir Aladdin ou Ali Baba. Truc éloigné. En quoi ça concerne l'Israël, vous savez? Pour recevoir dans la Bible un verset. Imaginez-vous que c'était des petites rubriques de publicité. Vous savez qu'est-ce qu'il en faut pour recevoir, pour rentrer dans la Bible? On apprend tellement de halakhot dans la Bible, avec l'absence d'une lettre, ou une lettre en plus. Et là, on nous détaille qu'est-ce qu'il y avait dans la fête. Et quand on a fini la fête, il a fait la fête pour les gens de Shushan Abira. En réalité, c'est un exercice pour nous tous de lire les informations, de lire ce qui se passe dans le monde et de lier tout ça à Kadosh Baruch. On regarde tous, surtout ces derniers jours, on commence à se sentir concerné. Et l'idée, c'est de voir Akadosh Baruch Hu dans l'histoire. Akadosh Baruch Hu dans l'histoire. La fête, c'est pour des choses qui ne sont pas écrites. La plus belle manière de faire teshuva, c'est de raconter une histoire à un homme. Quand on dit à quelqu'un, tu as fait du mal, qu'est-ce qu'il va faire tout de suite quand on lui dit ça? Prenez un enfant, dites-lui, oh là là, ce que tu as fait, qu'est-ce qu'il fait tout de suite? Il ne sait même pas qu'est-ce qu'on veut lui dire. Mais il dit, c'est pas bon. Il se défend. Dans son cœur, déjà, il rejette la parole de l'autre. J'ai rien fait, il dit. J'ai rien fait. Qu'est-ce qu'il fait, Nathan? Il raconte une belle histoire à David. Une métaphore, une parabole. Il raconte une histoire sur un homme riche, à un homme pauvre qui habite en voisinage. Et un jour, les amis du riche sont venus le voir et il n'a pas trouvé de quoi leur préparer à manger. Il est parti chez son voisin qui vivait dans une ruine, qui avait une bête et qui se couvrait avec sa laine, qui mangeait de son lait et il l'a égorgé. Il a dit David Améler, on est venu aujourd'hui au Bedin pour savoir combien il doit payer. 4 fois, 5 fois, Tachdoumé Kevel. Et David HaMelech, il a juré, Hay Hashem, je jure sur le nom d'Hashem, moi, cet homme, je le tue. T'as pas trouvé à qui voler. Et là, Nathan qui se lève, il dresse les yeux vers David, et il lui dit, c'est toi l'homme. Et il lui dit, bah, tiens là. Et là, David, il plonge dans un océan de Teshuvah. Lisez, hein, il faut lire correctement le chapitre 51 dans Tehilim. On pleure avec David Améler. Les larmes, les cris de David, que Hachem lui pardonne.
3 ans, il était dans son sac, pleuré, les habits déchirés. Hachem, nettoie-moi de ma faute. Et qu'est-ce qu'il parle des merveilles de Tchouva? Tout le livre Sha'aret et Tchouva de Rabbi Yona de Géronde, il est basé sur le chapitre 51 de Tehillim. Et David HaMelech, il met ce chapitre dans son livre que tout le monde le voit. Hein. Ça, c'est la force d'une histoire. Une histoire, tu entends l'histoire, tu te sens pas concerné, et tu t'identifies avec une image. L'histoire de Ahasvérosh, de ce festin, il est là pour nous dire des choses sur Israël. Pour nous raconter, à Saint-Michel, l'Echol, Sarav, Va'avada. L'Echol, c'est même les Juifs. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a montré tous les trésors du royaume qu'il y avait dedans les éléments du Beth-Amikdash. Ahasvérosh, il a porté les habits du Kohen Gadol pendant la fête. Il passait avec le pectoral entre les gens et regardait émerveillé. Et aucun juif a contesté qu'un juif s'est levé. Aucun juif était peiné de voir les habits du Kohen Gadol et les ustensiles du Beth Amikdash profanés d'une telle manière. Il y avait aussi un coin buffet cachère hein, pour les juifs. Qui était le responsable du buffet? Le chômeur, Mordechai Yehudi, Bashgachat Badatz, Shushan Avira. Mordechai. Les juifs, vous n'avez pas à vous gêner. Il fallait chercher la faute des juifs. Megillat Esther, Am Israël passe d'un niveau à un autre niveau. Quand vous regardez, par exemple, essayez de comparer. Vous voyez une faute, une punition, une teshuva, une faute, un malheur, une teshuva. Là, dans le Gilad Esther, il n'y a pas de faute. Il y a une histoire de Haman. On a lu des belles histoires. On a parlé d'un roi qui était complètement fou. On a parlé d'un homme qui aime les folies des grandeurs. Et tout d'un coup, on nous dit qu'il veut tuer les juifs. Et on nous raconte que Esther, la princesse, bon, il est où le message? Il est où le message? On a parlé de quelque chose qui n'est pas bon à faire. Même la Teshuva, on voit, bon, ils ont jeûné, elle a plu au roi. Il n'y a pas. Vaïtsakou et Hachem, il n'y a pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Ezra a souffert quand il a ramassé les livres pour composer la Bible, ce qui s'appelle aujourd'hui la Bible. Il a adoré ce livre de Esther. Le Talmud nous dit que devant Ezra et son Bedin, quand il cherchait à faire la Bible, il y a eu des milliers d'ouvrages, des livres. Il y a eu 1 200 000 prophètes dans le Ham Israël. Ezra, il dit, je suis en train d'écrire le livre qui va marquer l'histoire des Juifs et qui va être le livre de référence pour les Juifs jusqu'à la fin des temps. Imaginez-vous, toutes les grandes familles, des familles des Kohanim, des grands Rabbanim, chacun il vient ramener l'histoire de son grand-père. Il aurait aimé que l'histoire de son aïeul, son arrière-arrière-grand-père soit écrite. Et soit écrite, mais tu sais l'histoire, comment elle est importante. Chacun, il vient dire à Ezra. Et Ezra, avec sa patience, il entend tout. Elle ne sera jamais annulée. Même quand Mashiach va venir, il faudrait lire Megillat Esther. Elle a eu une place, Esther, plus que des prophètes, plus... C'est-à-dire, pour comprendre, c'est la seule Megillah
où il y a une obligation de lire. Et c'est vrai que les Ashkenazes lisent sur du parchemin toutes les Megillotes et ils font la bracha là-dessus. Et ils lisent pendant Shavuot, Megillat Rout, ils font la bracha. Ils lisent pendant Sukkot, Kohelet, Pesach, Shir HaShirim, Tisha B'Av, les Lamentations, Echa. Mais ça n'a pas le même Megillat, tout le monde vient, les hommes, les femmes. C'est, ça repousse toutes les mitzvot, même des fois un kanam d'un maître mitzvah. S'il y a le temps pour aller après, on fait. Et tu es obligé d'écouter chaque mot. Et si tu as oublié, il faut reprendre. Ça a attrapé une place énorme dans notre histoire. La fête que les juifs aiment le plus de toutes les fêtes, c'est Pourim. Tu n'as pas la veille de Bdikat Hametz, tu n'as pas à nettoyer ta maison, tu n'as pas à construire dehors une cabane, tu peux boire, tu accomplis la misa quand tu dors, quand tu tombes par terre tellement tu as bu, tu manges bien. C'est la plus belle fête. C'est la plus belle de toutes les fêtes. Et Esther a réussi à obtenir ça. Bon, un point dans l'histoire. Bon, on a eu des nissim pourtant, le Ham Israël, c'est vrai. Bon, il y a eu le miracle d'Esther, d'accord. C'est la seule fois où il y a eu un miracle. Si on regarde, nous, les 80 dernières années, la création de l'État d'Israël, par rapport à nous, à nos parents, la victoire dans la guerre des six jours, le côté de l'endemain, la guerre avec Saddam Hussein, beaucoup de choses, si on cherche des miracles qui sont importants pour tout le Ham Israël. On n'a pas fait des jours de un devoir de mémoire à ce point. Mais Megillat Esther a une particularité, c'est que c'est nous qu'on fait le travail. On va décider de voir une histoire, notre histoire, de savoir mettre les points communs, d'assembler toutes ces petites histoires, ces petites anecdotes, et de faire de ça une histoire incroyable, que tout d'un coup on se rend compte à quel point Kadosh Baruch Hu il est avec nous, à quel point il nous a gardés. Et en fait, Hachem nous parle. Hachem nous parle. Parfois des petits points dans la Megillah. Bishnat Shalosh Lemolcho. Asa Mishte Lechol Sarav Vaavadav. C'est qui Achashverosh? Achashverosh, Achashverosh était un homme simple. Il ne venait d'une famille royale. D'où il s'est enrichi? Nebuchadnezzar, il a eu une maladie terrible. Au milieu de sa vie, Akadosh Baruch Hu a décidé de le punir sur ce qu'il a fait au Beth Amikdash, c'est qu'il a perdu la raison et est devenu comme Poutine. Il a perdu la tête, il aboyait comme un animal. Il a tellement mis la terreur autour de lui que chacun qui parlait, il le tuait dans sa vie de tous les jours. Il faut savoir que Nebuchadnezzar était un homme qui aimait entretenir sa cruauté. Qu'est-ce qu'il faisait pour ne pas avoir pitié et pour ne pas développer des sentiments chez les gens? Il amenait tous les jours un petit gibier dans la chambre, il le laissait vivant, il attrapait
Il courait derrière pour l'attraper, pour être plus cruel. En secret, pour entretenir sa cruauté, pour être comme un animal. Tzidkiyahu HaMelech, qui était un ami à lui, qui était invité, il l'a vu faire ça, et il a fait jurer Tzidkiyahu qu'il n'allait pas raconter. Tzidkiyahu, pour allier les rois contre Nebuchadnezzar, il leur a raconté cette histoire. Bon, après, il est devenu encore plus cruel par rapport à lui. Tout son entourage était horrorisé de son comportement. Nebuchadnezzar, c'était l'homme qui a détruit tous les royaumes. Parce qu'il était tellement cruel, il n'avait pitié de rien. Et aucune frontière. Aucune. Aucune règle. Quand il rentrait dans un pays, tous les citoyens se sauvaient. Ils mettaient la panique. Parce qu'on ne savait pas ce qu'on allait leur faire. Ça veut dire, même un enfant se posait la question, est-ce qu'on va lui couper la tête? Et il gagnait de ça, qu'il semait la panique partout, et il prenait comme ça les pays. Il entretenait. Donc il a été puni par Akadosh Baruch Hu. Et il est devenu comme un animal à la forêt. Pendant 5 ans. Les animaux l'attaquaient. Et il restait avec un cerveau d'homme et un comportement animal forcé. Et après 5 ans, il est retourné à sa royauté. Avec tout ce qu'il a passé, il est devenu fou complètement. Et dans ces moments de folie, toujours il avait cette peur, cette maladie de quelqu'un qui le poursuit. Comment il s'appelle cette maladie? La paranoïa. Il est paranoïde. Et il a pris tous les trésors qu'il avait. Il les a mis dans des grosses barques en cuivre. Il est rentré au centre du fleuve Hidekel qui passe en Irak, à Bagdad, et il les a fait couler au milieu du fleuve. Et il meurt. Il y a son fils qui gouverne. Il y a son petit-fils. À l'époque de son petit-fils, il y a Achashverosh qui est officier dans l'armée. Et qui passe à côté du fleuve. Et tout d'un coup, les bateaux, ces petites barques, elles flottent comme un bouchon de liège. Une bouteille flotte, hop. Il récupère la richesse, il se fait une armée. Et avec cette armée, il fait la conquête. Et il prend, devient important, il épouse l'arrière-petite-fille de Nebuchadnezzar, Vashti. Et on voit comment Akadosh Baruch Hu, il va détruire cette famille qui a fait autant de mal à Am Israël. Règlement de compte. Pourquoi? Maintenant, on parle ici des dernières années de l'exil des Juifs. Les Juifs qui ont été exilés d'Israël. Pour combien d'années ils ont été exilés? Le prophète, il a dit 70 ans. Et là, on parle de ces époques-là. Vashti, princesse, gâtée, antisémite, mais d'une manière qu'on peut même pas imaginer. Son grand-père a fait sortir un décret, après 30 ans d'esclavage des Juifs, 25 ans, que tout celui qui a eu des esclaves suite à la guerre des Juifs est obligé de les libérer. Ils doivent être libres. Ça y est, faut les libérer. La majorité ont été libérés, mais son arrière-petite-fille, Vashti, elle a gardé les Juifs pour les torturer. Elle avait des filles juives qui la servaient comme princesse. Elle leur demandait d'être mal habillées, de ne pas se couvrir, pour les rabaisser à l'époque. Elle les faisait travailler le jour du Shabbat. Et la Megillah nous dit, ביום השביעי כתוב לב המלך ביין אמר
Léavi et Vashti à Malka. Shvi, Shabbat. Il dit Amar Léavi et Vashti à Malka. Vashti, à l'époque, les rois, chaque génération, elle a sa manière de frimer. Son père, il but. Un homme qui se saoule pas, il est aristocrate. Il vient à Rajveroche. Il la rend folle. Il lui dit, tu vas venir déshabiller ce jour devant tout le monde pour montrer ta beauté. Et lui envoie mon père. Il buvait 100 verres et plus. Il devenait pas ivre. Et toi, t'as bu un verre, tu es devenu déjà. Elle lui dit, tu étais le gardien des chevaux dans l'armée. Punir la dernière descendance de Nebuchadnezzar et qui va l'exterminer. Ce Nebuchadnezzar qui a mis en esclavage le peuple d'Hachem va être puni par un esclave. Être un observateur, c'est la plus grande des choses qu'un juif peut atteindre au niveau de Avodat Hachem. Observer. Observer dans la vie. Et voir. Il y a une autre histoire. Achashverosh, vu son histoire qui s'est passée, fait sortir une lettre à tous les peuples. Il a 127 régions différentes, avec des langues différentes. C'est énorme, c'est un grand pays, vous savez. En Inde, il y a des centaines de dialectes, un pays comme l'Inde. À l'époque, apparemment, il y avait un peu moins. Rajveroj dominait de l'Afrique, mais Odou, vers Adkouch, de l'Afrique, jusqu'à l'Asie centrale. Il avait l'Inde, la Chine, sous sa royauté. Mais à Vesrim et Shiramedine. Qu'est-ce que le roi a à dire après la condamnation de sa femme? En fait, l'histoire de sa femme, c'était une histoire classique de Shalom Bayit, n'est-ce pas? Achashverosh a condamné sa femme, pas comme un homme qui a des problèmes de Shalom Bayit avec sa femme. Il a condamné sa femme comme quelqu'un qui profane le royaume. Je donne un exemple simple. Un homme à l'époque qui dit à un roi, t'es méchant, je t'aime pas. On lui coupe la tête, n'est-ce pas? Un fils qui dit à son père, tu es méchant papa, je t'aime pas. Qu'est-ce qu'il fait le père? Viens, viens mon petit, prends une embrasse. Arrête de dire des bêtises, n'est-ce pas? À l'époque. Hein? À l'époque. Même à l'époque. Un enfant qui dit à son père, un enfant c'est un enfant. Un père c'est un père. Un mari c'est un mari, une femme c'est une femme. Il la condamne et après la condamnation, il envoie des lettres à tout le monde. Mesdames, respectez vos maris. Dans un monde de l'époque où les femmes n'avaient pas leurs droits, où il n'y avait rien, qu'est-ce qu'il a besoin encore de dire? Respectez. Il a tué sa femme et il dit respectez. C'est quoi cette histoire? Et il fait des décrets. Il fait des décrets. Et il écrit 127 langues avec des dialectes différents. Et à chaque pays et à chaque ville, il faut que le maire du village ou de la ville, il appelle tout le monde et il leur dit le décret du roi. C'est comme ça à l'époque. Quand il y avait une loi, on appelait tout le monde. Ils venaient tous et on leur annonçait la nouvelle loi.
Liot kol ish sorer beveto medaber kishon amo. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. Alors, celui qui lit cette histoire, même les commentateurs de la Megillah, bon, on l'a expliqué sur Vashti, d'accord, je comprends. Mais cette histoire, c'est là, c'est l'être. En quoi ça nous concerne à nous? Oui. Am Israël, la Shrina, c'est comme la femme d'Akadosh Baruch. On a un problème avec Hachem. C'est sûr qu'il y a un problème avec Hachem. Am Israël, il a un problème avec Hachem. Regardez aujourd'hui. Regardez combien de juifs sont en colère contre Hachem, parce qu'il y a eu la Shoah. Oui, c'est vrai. Vrai? Quoi? On va pas se voiler la face, dire que ça n'existe pas le problème. Il y a un problème. Un cadeau, je m'en il te dit, si je suis, on est comme une famille, je suis le mari, j'ai la femme. Il est où mon respect? Il est où? Am Israël, dans ces moments-là, et c'est pour ça que cette histoire, elle précède un peu l'histoire de Esther et l'histoire de Haman. Am Israël veut être émancipé, introduit dans la vie. Il veut être émancipé, il veut être introduit dans la vie. Il faut savoir, il faut comprendre, ce sont des hommes intelligents, des juifs, avec une grande culture. Ils étaient 30 ans dans l'esclavage. Et finalement, il y a eu un ordre de les libérer. Absolument être émancipé. Avoir un bon toit, une belle maison. Regardez les réfugiés. Ils se sauvent dans des pays. C'est quoi leur envie? C'est vite d'avoir un petit appartement, s'arranger, arrêter avec cette incertitude, ce manque de parnassa et pour donner à nos enfants et régler les choses et que les enfants vont à l'école normalement. C'est tellement important pour tous, pour nous tous. Dès que quelqu'un il quitte sa maison, il va dans un pays, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche tout de suite à se stabiliser. Mais pas à tout prix. Il y a un prix à payer. Qu'est-ce que vous êtes prêt de payer pour ça? Ils ont payé leur religion. Le prix de cette assimilation, de cette introduction, de s'introduire avec les goïms, ils étaient prêts d'abandonner beaucoup, beaucoup de choses. Tous les coutumes de leurs parents, la vie juive, et ils se comportent comme des goïs. Et surtout, il n'y a aucune contestation devant Achashverosh quand il prend les habits du Kohen Gadol. Il veut dire, tu nous vexes, tu prends les habits à nous. Tu prends les éléments du Beit HaMikdash. Ok, on est d'accord, mets-les dans le musée. Mais ne les profane pas comme ça dans un lieu. Il faut savoir qu'à l'époque, j'étais dans un musée en Turquie, qui montre les ustensiles de la nourriture de l'époque en Iran, dans toute la région. Ce qui m'a marqué, c'est incroyable. Je vais vous dire quelque chose d'incroyable. Vous connaissez tous l'ustensile qu'ils vendent dans les magasins, hein, qu'on fait le kidouche de Erev Shabbat. On a un verre, un gobelet comme ça, et puis il est posé sur un petit truc comme ça, et il a un autre verre à l'intérieur avec des petits tuyaux comme ça, des tout petits pour tout le monde. Et après on fait passer le plat,
Chacun prend son petit verre et il boit, n'est-ce pas? Ben ça, c'est pas une invention d'aujourd'hui. À l'époque, c'est incroyable. En Iran, partout, il y avait la statue dans laquelle l'homme croyait. Elle avait sa bouche grande ouverte, une bouche. On versait le vin dedans. Donc c'était pour lui servir. Et elle, elle amène le bonheur à tout le monde. C'est jusqu'aujourd'hui, en Grèce, où il y avait la mythologie grecque, ils ont pris ça des Perses. Et ensuite, ils ont transmis ça aux Romains, que dans tous les centres-villes à l'époque, d'où on prenait l'eau, il y avait les fontaines avec des animaux qui lancent de leur bouche l'eau. C'était une source d'abondance qui vient suite à la... C'était de la Avodah Zarah pure. De là vient la notion que vous entendez, Yain Neser, on verse le vin. Devant qui tu verses? C'était comme ça. Tout. Quand j'ai vu la quantité de ces trucs en poterie, c'est remarquable, c'est incroyable. C'est de l'Avodah Zarah, c'est pas. J'ai vu, j'ai compris tellement de choses. Quand tu étudies Maseret Avodah Zarah, tu comprends pas. Et tu vois, mais à ce point. Et c'est pour ça qu'on te dit, n'importe quel vin dans un repas de goy, il est Avodah Zarah. Parce que, dans tout leur repas, ça montait à table. Tous les vins étaient Avodah Zarah. Étaient Yain Neser. Tous les vins. Alors maintenant, ok, tu veux faire des louanges à ton Dieu. Mais pourquoi tu vexes, il y a avec toi des juifs à table? Tu vas pas les soumettre comme ça. Ils doivent contester. Tu vexes ma religion. Un homme, il tient comme... Un homme, il n'est pas capable d'entendre des gros mots ni sur sa famille, ni sur sa religion. La plus grosse insulte, hein, quand vous insultez chez les Arabes, c'est la plus grande, c'est Na'adina, c'est d'insulter sa religion. Ah, il se bat à mort quand vous dites une chose pareille. Et il a raison. Il a raison. Et là, dans l'âme d'Israël, Hachverosh, il nous dit, la femme ne respecte pas son mari. L'amour à Hachem, où vous êtes? Il est où le kavod de la Shrina? Il est où le kavod d'Akadosh Baruch Hu? C'est pas Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas le dernier mot à dire dans sa maison, c'est pas lui. Maintenant, qui c'est qui donne? Qui c'est qui donne le conseil à Achashverosh d'écrire cette lettre? Memouchan! C'est qui Memouchan? Hein? Vema Memouchan! Memouchan ou Haman! Comme il dit Rabbi Yehuda Halevi, ou Haman la pour un autre Mouchan! Mais Mouchan, c'est Aman, dans la Megillah. Aman nous dit, quelque part, c'est lui qui donne le conseil, il dit, il faut écrire la lettre à tout le monde. Que les femmes respectent les hommes, les maris. C'est-à-dire que Aman arrache son mari. Aman, Amalek, il vient se séparer. Il vient séparer à Israël de la Shekhina. Ça, c'est Aman. Celui qui va casser, qui va essayer, qui va mettre une rupture entre Israël et Hachem. C'est qui Aman? Aman, c'est l'arrière-petit-fils de qui? De qui? Hein? D'Avraham Avinu. Aman, c'est le petit-fils d'Esav, pardon, l'arrière-petit-fils de Yitzhak et l'arrière-arrière-petit-fils d'Abraham. Comme nous, à Israël. D'Égypte,
Pourquoi? Pour dire, c'est pas que vous, les enfants d'Abraham Avinu, moi aussi. Pourquoi vous êtes le peuple élu? Moi aussi? Moi aussi? Qu'est-ce qu'il vient faire à Amalek? Son rôle, c'est de séparer l'amante de l'amant. L'homme qui aime de sa femme qui est aimé. La femme qui aime de son mari qui est aimé. Il va casser. Il va essayer de casser. C'est ça tout le lien de Amalek. Amalek, il nous dit, lui-même, il nous dit, que c'est quoi, en fait, la meilleure chose pour casser la Tum'a de Amalek, c'est d'aimer son mari. D'aimer la Shrina. Et c'est pour ça que lui, Aman, avant de monter sur l'histoire, il va changer de nom. Il s'appellera plus Memouran. Il va s'appeler Aman. Avant de monter, il va donner, sans se rendre compte, il va donner le conseil précieux à Israël. Il faut aimer Hachem, il faut aimer le mari. Il faut faire ce qu'il dit le mari. À la maison. Il va l'envoyer à tous les peuples. Impossible qu'Am Israël n'a pas compris. Ils l'ont entendu en 127 langues. En hébreu, en araméen, en yiddish, en ladino, tout ce que vous voulez. Et on n'est pas réveillé. On n'est pas réveillé. Alors on a parlé de la femme qui doit aimer son mari. On s'est pas réveillé. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Prochaine étape. C'est le mari qui protège pas sa femme. C'est quoi? Achashverosh, il cherche une femme. Officiellement, il dit, officiel, je cherche une femme, une candidate. Derrière, il envoie ses soldats. Chaque belle femme qu'il voit dans la rue, il prenne. Et elle vient devant Achashverosh. Et dans ces femmes, il y a la juive la plus célèbre de l'époque. Esther, femme mariée, la femme de Mordechai Yehudi, sa nièce, qui était adoptée depuis son enfance par Mordechai. Et à la mort de ses parents, elle a grandi chez lui. Quand tous les jours, le pauvre, il passe devant la cour pour dire à sa femme, je t'aime. Et il dit à sa femme, je veux, mais il fait pas, il peut pas faire ça. Elle n'a pas fait, il n'a pas fait. Il y a quelque chose ici qui se passe. Il n'est pas parti se montrer, dire c'est une femme mariée, faire un jugement. Il dit, tais-toi, garde sur un profil bas. Quand ils vont te demander, comment tu t'appelles? Qui sont tes parents? Tu dis, je sais pas. Le roi, il va jamais te toucher. Parce qu'il voudrait jamais avoir une affaire avec une fille. Où on connaît même pas ses parents. Un roi va se marier avec une fille. Demain, il va venir un couple de drogués, ils vont dire, c'est nous les beaux-parents. Va faire une chose pareille. Non, 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 non. Alors, elle dit pas pour que Achashverosh la met dehors. Elle revient chez Mordechai. Ça, c'est la stratégie de Mordechai. Sauf que cette stratégie a eu un échec total. Il a prise. Mais elle pouvait même plus dire après son nom de famille. Et quand Mordechai lui dit, va pleurer chez le roi, dis qui tu es, il dit, mais j'ai pas été appelé, c'est lui qui entre chez le roi sans permission, il lui coupe la tête. Toute l'histoire de Ham Israël se passe là. Mais elle se passe comment? Par des histoires, des anecdotes. Tout se passe
par des histoires comme ça. Celui qui ne veut pas comprendre, il ne comprendra jamais. Et ça, c'est la Megillat Esther. Prendre à cœur et regarder à travers les mots. Regarder ce qui se cache derrière l'histoire. Qu'est-ce qui fait accélérer l'histoire? Qu'est-ce qui nous fait vivre? Qu'est-ce qui nous fait bouger? Quel est le sens? Peu sont les gens que quand il y a quelque chose qui se passe, ils arrêtent tout et ils disent « Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu veut de moi maintenant ?» J'ai vu une chose. Qu'est-ce qu'Hachem veut de moi? Un homme Yerushalayim, il doit tirer des conséquences de tout ce qu'il voit dans sa vie. La Gemara nous dit l'histoire du Nazir, celui qui ne boit pas le vin. Suite à quoi il est devenu Nazir? Un jour, il passait dans la rue et il a vu du monde. Il y a une femme qui était sota. Et l'homme, le mari, il est jaloux, il l'amène à Yerushalayim, au Beth Amikdash. Et le Kohen Gadol, il lui lit le texte dans la Torah, et il y a les symptômes, si elle fait une avéra. Aroé sota bekilkula. Il était là-bas. Et il a vu cette femme malheureuse. Où il en est arrivé après avec ses avérotes. Il s'est dit dans sa tête, pourquoi j'ai vu cette histoire? Pourquoi j'ai vu cette tragédie? Pourquoi j'étais témoin? J'ai des choses à faire chez moi pour ne pas être là comme elle. Peut-être moi aussi je fais pas attention à moi-même. Je peux tomber dans des avérotes. Attention. Aroé sota bekilkula yazir atzon minayayin. Une histoire. Toi te dire, mais ça peut être moi aussi, ça. Ça peut m'arriver à moi aussi. Au lieu de me mettre à critiquer tel et tel. Si moi, je ne fasse pas attention, je ne fais pas attention avec moi-même, avec ma neshama, je peux être exactement dans le même endroit. Ça, c'est la vie d'un juif. Un vrai observateur. Un juif a le rôle d'observer. Toutes les paroles de nos prophètes, ils nous disent, mais vous ne voyez pas? Vous voyez pas les signes qu'Hachem il envoie? C'est dur parce qu'on est tellement en baigne dans le matérialisme qu'en fin de compte, on comprend pas. On ressemble exactement. Parce que je t'ai raconté quoi? Que je t'ai raconté ça pour rien? Allez, dis-moi à ton avis, qu'est-ce que je voulais te dire? Et l'enfant, il raconte n'importe quoi à son père. « Ah, tu voulais me dire ça ?» Et le père qui est déçu, mais il dit, mais moi, j'ai un enfant, j'ai élevé un idiot, il comprend pas ce que je lui dis. Alors le père, il continue, il dit, « Tu sais, je te fais un petit truc, allez, je t'aide pour comprendre. » Et il lui donne une autre clé, un mot-clé. Et l'enfant qui pense que tu penses qu'il va devenir maintenant sérieux, il y a ses yeux qui brillent, il dit « Ah, j'ai compris !» Qu'est-ce qu'il dit? Quelque chose? Aucun rapport. Et il lui donne encore une clé. Il comprend pas. Encore une clé. Il comprend pas. Finalement, quand tu lui dis, c'est « Ah !» Et à me dire, hein? Est-ce qu'on comprend? Qu'est-ce que cet événement est censé à nous dire? On voit maintenant, il y a une guerre. On dit, c'est pas chez nous. C'est loin. Qu'est-ce qu'on a à se mêler? Il y a quelque chose qui attrape le monde entier. Ça ouvre les infos. Mais non, peu importe. L'hypocrisie du monde. Je rentre pas là-dedans. C'est pas mes affaires. Il y a une histoire, une réalité qui se passe. 3 millions de réfugiés qui se font en 20 jours, des choses atroces, des images, des mots
des choses qui vont à une vitesse énorme, des sanctions, des choses qui se passent, des marchandises qui augmentent, des choses qui descendent, un tourbillon, tellement d'infos autour de nous. Il faut être capable de déchiffrer cette histoire, de comprendre, je suis là dans le monde, je suis un observateur. C'est censé réveiller quoi en moi? Parce que l'histoire, elle se passe comme elle se passe. Mais elle doit réveiller chez chacun quelque chose de particulier. Maintenant, si je vous dis moi, ce que ça me fait pour moi, c'est pas forcément ce que ça doit, vous devez penser. Chacun, il a besoin de prendre des outils que HM, il fait, parce que le message d'HM, il est un, mais il est différent par rapport à chacun. Chacun, il a à voir quel est son point faible à lui dans l'histoire. À qui il ressemble lui? C'est ça ce que Nathan Hanavi vient dire à David. Et ça, c'est l'histoire de Esther, Aster, Astir, Panay. Je vais vous dire, je vais vous parler, mais je vous parle de l'histoire. C'est le monde, c'est la réalité qui vous parle. La réalité, c'est Hachem. Hachem Avaya, c'est la nature qui vous parle en mon nom. Vous m'avez compris? C'est ce qu'Hachem nous demande. Vous m'avez compris? Et il faut que l'homme essaye de comprendre sa place. Ça signifie quoi? Ça, c'est Megillat Esther. Ça, c'est le travail de la Géoula. Et ça, c'est un travail qui peut pas être abandonné. Mais des fois, quand on cherche, quand on veut savoir, vous savez, vous connaissez cette idée que on essaie de se rappeler de quelque chose, d'essayer de définir quelque chose, et ça nous travaille la tête tout le temps. Et on n'arrive pas. Et tout d'un coup, quand la tête elle est libre, et on est assis en repas, on est dans la douche, en train de se... Tout d'un coup, ça m'a compris. Il y avait un grand savant, j'ai oublié son nom, Socrate. Il était en train de se doucher. Et il a compris quelque chose qui le travaillait. Et il est sorti nu dans la rue, il criait, il avait peur d'oublier. Il courait pour vite noter l'histoire. Il a compris quelque chose. Pourim en bois. On mange. Et tout d'un coup, on se rappelle d'Hachem. On se rappelle du message. Ça, c'est le plus important de tout. Qu'est-ce qu'il dit David Amelher? Ashre ish, shelo ishkachecha. Ou ben Adam, it amet, il fait un effort de comprendre. Ashre ish, shelo ishkachecha. Ashre ish, shelo ishkachecha, ou ben Adam, it amet zbach. Ça, c'est toute la avodat Hashem. Toute la avodat Hashem que nous avons. Et ça, c'est le travail. Ça, c'est le travail le plus important de Pourim. Qu'Hashem nous aide, qu'on trouve, qu'on comprenne ce qu'on doit faire. Et quand on comprendra, c'est là qu'on aura une Géoula rapide. Amen, amen.